ان احنا كمسيحيين عندنا مرجعيه واحده اللي بتحكي باسم المسيحيين هي الكركي. Le président ne représente pas les chrétiens. C'est le cri d'indignation poussé par des Libanais le 25 mars 2022 devant le siège du patriarcat maronite. Le président de la République s'était en effet rendu en Italie où il a émis des propos légitimant les armes du Hezbollah et affirmant que les chrétiens ne couraient aucun risque au Liban. Je ne vois pas comment notre président peut dire que Hezbollah est une entité libanaise qui protège les chrétiens quand en fait ils ne protègent personne. Ils font l'intérêt de l'Iran et eux-mêmes sont fiers de dire qu'ils sont armés et financés par l'Iran. Les manifestants ont de même dénoncé les compromis attribués à la présidence, notamment sur le dossier des frontières maritimes. خط 29 اللي هو الخط الشرعي والمعترف فيه من كل دول العالم من قبل 100 سنه لهلا هذا الخط الاساسي واسرائيل معترفه فيه عم بيرجعون عم بيعطون 1430 كيلومتر للاسرائيليه كادو ما يقدر 200 مليار دولار غاز هيدي هديه على اي اساس حزب الله عم بيدافع على حدود لبنان على اي اساس حزب الله بقول انا بدافع عن كل شبر وبيضحي بمئات الكيلومترات من الاراضي اللبنانيه البحريه. Face à la présidence, les manifestants ont proclamé leur soutien au patriarche Boutros Rai, déclarant qu'il est le seul représentant des chrétiens au Liban. Après la messe en l'honneur de la fête de l'Annonciation, le patriarche s'est entretenu avec ses fidèles, assurant qu'il allait s'exprimer publiquement sur le sujet lors de la messe du dimanche. Un discours attendu avec impatience pour les défenseurs d'un État libre et souverain. Nous, ce qui nous protège, c'est une armée libanaise dont on est si fiers. Ce qui nous protège, c'est un État, fort, sans la milice iranienne qui domine cet État.